Être footballeur international n'est pas un métier qui laisse passer incognito. Elle est accompagnée de la gloire, de l'argent et du prestige. Mais dans la vie privée, certains de ces joueurs sont déjà pris. Bienvenue dans cette vidéo. Découvrons ensemble 5 compagnes de footballeurs ivoiriens qui ont brillé durant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire et ce qu'elles font dans la vie. En numéro 1, nous avons Priscilla, épouse Allaire. Priscilla Allaire est l'épouse du footballeur ivoirien Sébastien Allaire. Mère au foyer de 3 enfants, elle et son mari sont mariés légalement depuis 2017. Très discrète sur sa vie de famille, ce n'est qu'avec la maladie de Sébastien que les internautes ont pu mettre les yeux sur son visage et le prénom de Priscilla. En numéro 2, nous avons Peach, fiancée de Wilfried Zaha. La campagne de l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha se prénomme Paige Bannister. Le couple est parent d'un garçon de 2 ans. Le 14 février 2022, Wilfried Zaha a pris Paige Bannister comme fiancée. En numéro 3, Fanny, conjointe de Nicolas Pépé. Fanny, âgée de 29 ans, est la petite amie de Nicolas Pépé. Avec l'international ivoirien, elle a 2 enfants. En numéro 4, Marina Keita, épouse Gradel. En juin 2021, Mas Gradel s'est marié avec sa fiancée Marina Keita, d'origine malienne, après son divorce avec Flora Canel en 2018. Sira, Madame Kessier. Sira est l'épouse de Franck Kessier, le joueur ivoirien évoluant en Arabie Saoudite. Tout comme son coéquipier Max Gradel, il a officialisé les choses en juin 2021. Elle est vice-présidente de la Fondation Franck Kessier, qui a été inaugurée en novembre 2022. De plus, la mode et la décoration d'intérieur sont ses hobbies.